il nous restait à peine une heure avant le début de notre grand spectacle Fric du Chic. Nous voulions utiliser nos défauts bizarres pour récolter des fonds et sauver les cours d'art à Monster High. Mais nous pensions avoir échoué. Alors vous allez rester là? Vous allez abandonner le spectacle? Oui, plus ou moins. Je t'assure, Gouliop, je pensais que ça allait être le plus grand spectacle de notre vie. Mais ce soir à minuit, les cours seront définitivement supprimés. Vous voulez vraiment vivre dans un monde sans art? Je suis passée par là. Après avoir perdu mon coffre, je ne pouvais plus jouer. La vie était fade. Plus rien n'avait de sens. Avez-vous déjà essayé d'imaginer à quoi ressemblerait Monster High sans art? Il faut que nous réessayions. Oui, d'accord, les filles. Croyez-moi, vous y étiez presque. Le problème, c'est que vous étiez tellement occupés à penser à vos propres numéros que vous avez oublié que c'était aussi un travail d'équipe. Vous aviez tellement le trac sous les projecteurs que vous n'avez pas fait attention à ce que les autres artistes faisaient. Oui, je comprends. Un spectacle, ce n'est pas réussir un numéro. Nous faisons partie d'un ensemble. C'est ça, l'art. Voici le spectacle Fric du Chic. Ségoul vous accorde une chance de sauver les cours d'art à Monster High. Tous les dons que vous faites via le réseau e-cercueil nous rapprochent de notre but. Nous avons jusqu'à minuit pour sauver les arts. Que le spectacle commence, les ghouls! Ça suffit! On en a bien assez vu! Mais monsieur Grunderson, il nous reste encore 5 minutes! Vous n'y arriverez jamais à temps! Ces restrictions sont pour le bien de l'école! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Gouliop! Ça lui arrive quand elle est nerveuse ou en colère! Il vous adore! On ne savait pas que vous étiez un si grand artiste! Moi? Un artiste? Il m'aime bien! C'est la première fois de ma vie qu'on m'aime bien! Un beau spectacle! Ce n'est pas seulement un spectacle, madame le professeur, c'est de l'art! Oui, c'est le Fric du Chic! Il me faut des bandelettes, des tonnes de bandelettes. C'est pas pour moi, merci. Fais-y attention, ce sont des bandelettes de marque. Vous savez où est Vénus? Elle m'a demandé de lui apporter 300 litres d'eau distillée. Illico Presto, ça veut dire quoi? Oui, et à nous, elle a demandé de prendre le plus grand thermomètre qu'on puisse trouver. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, cette goule? Accroche-toi, mon vieux. Vénus? Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Oh! Mes belles bandelettes en soie d'Égypte! Cléo, c'est l'arbre le plus ancien de Monster High. Il est ici depuis des centaines d'années. Et qu'est-ce qui lui arrive? Vas-y, raconte. Ce sont ses racines. J'ai tout essayé, mais rien ne marche. Il n'en a plus pour longtemps. Il y a sûrement quelque chose à faire. Quelqu'un doit bien pouvoir nous aider. Un professeur, un scientifique, Goulia. Ou Mère, Mère Nature. Elle saura. Mère Nature, un chêne superbe et vénérable est en danger. Souviens-toi de ce qu'il a été pour toi, et ton amour le ramènera à la vie. J'ai compris. Appelle Cléo et dis-lui d'amener autant de monstres qu'elle le peut ici, auprès de l'arbre. Et vite. Oh, merci beaucoup, Mère Nature. À la vie. Alors, c'est quoi le problème, Cléo? Tu peux nous expliquer ce qu'on fait tous ici autour de ce gros tas de bois de chauffage? Aïe! Ce n'est pas du bois de chauffage, c'est le témoin de toute notre histoire. Il sait qui nous sommes et qui nous avons été. C'est sous ces branches que j'ai écrit mes meilleures histoires. J'ai perdu 5 ballons de foot dans ces feuilles. Goulia, tu venais toujours étudier ici, tu te souviens? Bienvenue, chers poules et chers monstres, sous le plus grand chapiteau du monde. Vous allez admirer des magiciens, des mimes, des marionnettes, toutes sortes de numéros monstrueux. Et maintenant, voici la reine du chapiteau, la nouvelle goule d'une école sans pareil, Gouliop Shillington. Bienvenue au Fric du Chic, un spectacle monstrueux.
La nuit du fric du chic commence à peine et le spectacle bat son plein. Mais si vous voulez bien, commençons par un petit retour en arrière. Tout a commencé il y a 2 jours, quand nous avons rencontré le comptable grincheux de l'école. Monsieur Grinderson, puis-je savoir ce qui vous amène loin de vos chiffres? Simplement le fait que votre chère école n'aura bientôt plus un sou. Nous devons supprimer certains cours. Et lesquels, selon vous? Les cours d'art, c'est terminé. C'est une perte de temps et d'argent. Plus de peinture, plus de musique. Et surtout, surtout plus de théâtre. Les arts sont aussi importants que l'apprentissage des langues mortes et des équations sinistres. C'est hors de question. Le conseil d'éducation a déjà décidé de m'accorder les pleins pouvoirs pour faire toutes les économies que je jugerai nécessaires. Votre attention, je vous prie. Vous allez me ranger vos pinceaux, vos instruments de musique et vos déguisements tout de suite. L'art sous toutes ses formes à Monster High ne sera plus enseigné. Mais nous allions bientôt découvrir la petite nouvelle de Monster High. Ça m'est bien égal ce qu'a dit ce troll de Monsieur Grinderson. Je veux absolument sauver ses cours. Il y a peut-être un moyen de les sauver, je ne sais pas, en récoltant des fonds. Au secours! Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'onde positive qui se répand à l'intérieur de moi? Je crois que ça signifie que tu es d'accord avec Frankie. Je n'aime pas ça du tout. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui pourrait nous aider. Oh, effrayant! Qui est là? Je suis désolée. Parfois, ça m'arrive quand je suis nerveuse. Oh, je m'appelle Gulliop Jellington. Hé! Vous avez trouvé mon coffre? Oh, c'est exactement ce que je cherchais! Tu es une goule de cirque? Depuis toujours. Ma famille était célèbre avec son spectacle monstrueux, le fric du chic. Un spectacle de monstres fabuleux. Maintenant que j'ai trouvé mon coffre, je peux recommencer à faire ce que j'aime. Au travail, maintenant. Je viens d'avoir une idée géniale. Si nous montions notre propre fric du chic, nous pourrions utiliser l'argent de la vente des tickets pour sauver les cours d'art à Monster High. Je peux vous aider? Oh, c'est génial, ça va être très bien. Je sais faire des costumes, des décors, tout ce dont vous allez avoir besoin pour mettre en place un spectacle fantastique. Oui, nous allons avoir beaucoup à faire. Oh, Grinderson. Je n'arrive pas à croire que ce troll comptable a réussi à faire supprimer tous les cours d'art à Monster High. Oh, ne m'en parle pas. Je ne pourrai jamais montrer ce que je sais faire avec des échasses. Wow, ça, c'est une entrée. Je m'appelle Gulliop Jellington et je suis la reine du chapiteau fric du chic. Vous voulez sauver les cours d'art ici à Monster High? Alors notez cette date dans votre agenda, parce que la semaine prochaine aura lieu le plus grand spectacle de la Terre. N'oubliez pas, fric du chic, longue vie aux arts! On pourrait les aider, on a quelques talents. J'ai mes échasses. Et moi j'ai ma petite idée. Essaie de monter une sorte de spectacle de cirque. Ces ghouls veulent utiliser l'argent des entrées pour sauver les cours d'art. Et sans même m'avoir consulté. C'est un spectacle non autorisé sur la propriété privée de l'école. Et selon vous, quelles mesures doit prendre le conseil d'éducation? Je veux que vous mettiez fin à tout ce cirque. Non! Arrêtez ça immédiatement. Ces ghouls sont en train d'accomplir des prodiges pour sauver les cours d'art. Il faut vraiment que ce spectacle ait lieu. Mais elles sont en train d'enfreindre les règles. Nous autoriserons le spectacle de vos élèves, mais tout devra être terminé ce soir à minuit. Si elles n'arrivent pas à récolter cet argent, la question sera réglée. Ce soir? Mais on devait jouer la semaine prochaine. On n'est pas prête à faire un spectacle ce soir. Hé, parle pour toi, ma chère Frankie. Ton chaton préféré est prêt à faire son entrée. Je n'ai pas pu faire mieux, Frankie. Le conseil d'éducation a été absolument formel. C'était leur dernier mot, croyez-moi. Bon, vous savez ce qu'on dit? Eh bien, au travail, maintenant. Écoutez, les ghouls, je vous fais entièrement confiance. Et si vous nous montriez ce que vous savez faire? Ça va être mortel. Elles ont suivi un cours intensif sur les techniques de base. Fric du chic. Impressionnant! Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je n'ai pas encore fini. Désolée, Frankie. J'ai encore un peu de mal avec ma marionnette. Oh, attention! Qui a mis cette boîte ici?
Un cours intensif, tu disais. On veut apprendre. Tu es d'accord, Gouliop? Plus on est de fous, plus on rit.